On a pris un magazine et dedans on devait prendre une image qu'on aimait et ouais. Si elle était trop grosse et bon, on prenait un bout de l'image, on devait prendre une lettre, un mot. En lien avec quoi? Avec le voyage. Avec le voyage, ouais. C'est des magazines de voyage. Il peut y avoir des sons qui ressemblent pas forcément à ce qui est là. Ça peut être une éruption, ça peut être un grondement. C'est votre esprit, donc il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Ouais, ouais, c'est bon. Ça, c'est carrément un volcan. Hein. Explosion, c'est sûr. Et ça, ça me fait penser à quoi? Des gens qui parlent. Ouais. Peut-être un Taj Mahal. Moi, je pensais Taj Mahal aussi. Moi aussi, Taj Mahal. Apollo, Apollo, nous avons la destination en vue. Ah oui, c'est quand on est dans un avion ou un hélicoptère, ça fait non, dans l'espace. Presque, ouais, voilà. Ça fait un peu fusée, non? Ouais. Vous trouvez pas? On le met de côté? Ah oui, ça fait fusée. Oui, oui, oui. Regardez l'écran, je vous ai mis des couleurs pour bien qu'on différencie les sons différents. Ah les gars, les percussions, c'est vert. Vous avez vu qu'ici c'est tout vert. Là c'est orange, regardez c'est orange. Rouge, c'est rouge. Si vous voulez, hop, au milieu, mettez-vous au milieu de ce ça. Vous êtes pas trop loin là-bas? Vous voulez vous rapprocher un peu? Le bruit de... de Tagada quand on les secoue. Quand ils mangent les bonbons, ça fait des fois du bruit quand ils croquent. Et alors, il y a quoi comme bruit, même quand on mange des bonbons? Miam, miam, miam. Miam. Bruit de bouche. Des couleurs vives, j'adore, super. Pour les maracas, parce que c'est comme si on secouait les boîtes de Tic Tac. Ah, hyper intéressant ça. Génial. Et puis vous êtes autour et puis vous allez faire vos petits bruits en direction du... Vous restez là où vous êtes, mais vous visez le milieu du micro, d'accord? Alors, je vais faire un petit test. On tourne un petit test au casque. Attends, je vais vous dire quand il faut jouer, d'accord? Et là, vous pouvez jouer. Super! C'est... quand tu veux. Je repense à ce moment où je rentre dans cet énorme bateau. Mais ce que je préfère, c'est sentir le vent de la mer sur le visage. Tout à coup, ça y est, on voit enfin les côtes marocaines. Et nous voilà au bled.
Alors, pour les nouveaux, donc, c'est un orchestre. Il y a un chef d'orchestre, donc je vais commencer à le faire. Des signaux, bien sûr. Je lui dis ce que je veux, ça c'est une note. Ça c'est comme quelqu'un qui marche, mais ça veut dire improviser. Et quand j'ai envie qu'il fasse ce que je lui ai dit, même si c'est il y a 10 minutes, je lui fais ça. Et vous remontez sur le premier titre, c'est mi0info.web.